Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte-rendu de la ronde 6 du tournoi d'été de Vendeuvre contre une 1849 que vous connaissez peut-être si vous regardez le stream de Apprendre les échecs. J'ai joué contre Pauline à cette ronde-là qui n'était pas en train de faire un super tournoi. Elle est classée 1849 et moi 1695, donc on va voir ce qui s'est passé. D4. Donc, l'ouverture que je connais le mieux avec les blancs. Cavalier F6, C4, E6, donc peut-être une défense nimzo-indienne. Cavalier C3, et effectivement, fou B4, c'est la défense nimzo-indienne. Ou en gros, elle m'empêche de jouer E4 parce que le cavalier est sous pression. Donc, dame C2, c'est un moyen de mieux défendre le cavalier, et peut-être même de jouer E4. Roque tout de suite, donc ça s'appelle la variante classique où je joue A3, donc j'attaque le fou, on échange. Et donc là, son idée c'est que elle me laisse la paire de fous, mais elle est beaucoup mieux développée. Elle a déjà roqué, alors que moi, j'ai besoin encore un grand nombre de coups avant de roquer. Donc le but des noirs, ça va être de m'attaquer très vite avant que j'aie le temps de régler mes problèmes, parce que sinon c'est moi qui serais mieux grâce à la paire de fous. Voilà. D6. Moi je connais avec B6, le plan B6, fou B7 qui met de la pression de cette façon sur mon roque. Et je sais que contre ça, je laisse mon fou à la maison. Je joue E3. Je laisse mes deux fous à la maison en fait. Pour l'instant. Cavalier E2, dame C2, cavalier C3. Et puis, comme je peux pas sortir mon fou à cause de cette menace, parfois je joue avec F3 et fou E2 si nécessaire pour finalement roquer. Donc ça c'est la variante classique que je connais. Et comme là elle a joué D6, ça m'a semblé lent. Elle met pas la pression en mettant le fou en fianchetto. Donc je me suis dit je vais être optimiste. Ça doit vouloir dire que j'ai le temps de sortir ce fou-là. Avant de m'occuper de mon roque. Cavalier BD7. E3. Et là on dirait que ça va quand même. Je vais avoir le temps de sortir mes pièces et de roquer, non? Surtout qu'elle continue à jouer des coups lents. Elle joue juste cavalier B7. BD7, tour E8. Alors ok, elle va peut-être jouer E5, mais je sors mes pièces. Elle a joué E5. Je pense que ça me force à échanger, parce que bah déjà si je joue ça, je me prends une fourchette. C'est pas top. Si je joue ça, ça me plaît pas tellement non plus de me faire attaquer et de manquer d'espace. Donc j'ai échangé. Elle a repris avec le pion. Fou E2, bah oui, parce que je peux pas le mettre là, il y a toujours la même fourchette. Voilà, fou E2. Et je suis à un coup seulement de roquer. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Et là, elle a joué un plan que maintenant je sais que j'avais déjà vu et qui me servira de leçon, que je retiendrai. H6, c'est parti. Fou H4. Je maintiens le clouage, tout va bien. Tout cas, c'est ce que je crois. Et G5. Et là, wow, je me dis, waouh, elle a pas peur, quoi. Son roi n'a plus de défense. Mais en fait, tout ça est bien préparé. L'idée de H6, G5, c'est de continuer avec cavalier E4 pour attaquer ce fou. Et puis surtout, comment je le chasse le cavalier en E4? Il y a l'autre qui va arriver en C5. Donc là, je commence à avoir des problèmes. Puis je peux pas trop contre-attaquer sur l'aile roi avec H4 parce qu'elle va prendre ici. Si je reprends avec le pion F, c'est Berk. Donc là. C'est une manœuvre, enfin c'est une séquence
Classique dans ce genre de position. Maintenant, je saurai. H6 fou H4 G5 cavalier E4 qui attaque la dame qui attaque le fou. Je me suis dit bon bah ok, allez, je bouge la dame. Elle va prendre le fou et j'aurais pu ma paire de fous, mais j'aurais une bonne attaque sur la colonne H. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore compris qu'elle était en train de jouer très bien et que moi j'avais mal joué. Dame C2, bien sûr, elle a pas pris mon fou. Le sujet, c'est pas du tout la paire de fous dans cette position. C'est que j'ai pas roqué et que je suis dans la merde. Cavalier DC5. Alors là, j'aurais pu roquer quand même. Et accepter de me faire un petit peu embêter. Fou F5, je dois bouger ma dame parce que là, elle menace de prendre ici. Qui gagne une pièce et qui défend son fou. Alors, si madame devait bouger, où est-ce qu'elle irait? Bah, elle n'a pas trop de cases d'ailleurs, alors je sais pas. Peut-être revenir là. Et après, peut-être que la position est ok pour moi. Bon, c'est clair que j'ai plus d'avantages. Mais il y a plein de pièces qui attaquent D3 quand même là. Donc ouais, là. Alors j'ai cru que je pouvais pas roquer parce que j'avais trop peur de fou F5. Alors du coup moi je jouais très 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 lentement à partir de là. Elle avait un avantage aussi à la pendule. J'ai cru que fou F5, je voyais pas comment me défendre contre cette idée-là. Alors que en fait il suffit que je bouge ma dame. Donc j'ai eu un petit peu une panne de cerveau aussi quand même. J'ai joué tour D1. Pour d'abord attaquer la dame. Pour que dans la séquence que je viens de vous montrer, aussi, j'ai un meilleur contrôle de la case D3 à la fin. Et puis j'ai envie peut-être de jouer avec fou D3, mais en tout cas pas là, ça marche pas tout de suite. C'est pour ça que je voulais chasser la dame, maintenant je me souviens, c'était pour pouvoir jouer fou D3 après fou D5. Ok, elle a joué dame F6. On croirait que j'ai le temps de manger espion. Sauf que tac, tac, échec et mat. Là, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de me faire mater aussi vite? J'avais vraiment pas l'impression de m'être trompé dans mon ouverture. En fait, fou G5, c'était pas faux de jouer fou G5, mais c'est difficile après à jouer parce que j'ai vraiment du retard de développement. E3 et fou D3, le truc que je vous ai dit était bien plus facile. Et après, mon fou, il peut toujours aller en B2 et encore être très très bon quand même. J'ai déjà eu des positions comme ça en plus sur Internet. Plus après B6, mais je mets le fou en B2 et que je suis très bien. Bref. Là, ça n'allait pas du tout. Rien n'allait. Cavalier C5. Donc voilà, j'ai cru qu'il fallait d'abord chasser la dame avant de roquer. Et là, c'est pareil, j'ai pas roqué. Peut-être que ça allait si j'avais joué ça. Peut-être que ça pouvait aller. Je sais pas. La dame a pas des masses de cases. C'est vraiment très dur. Les noirs sont vachement mieux, mais au moins j'ai roqué quoi. Peut-être je m'en sors. Non, ça marche pas non plus d'aller là, pardon. Non, peut-être jouer fou D3 quand même alors. Mais je sais pas si ça m'aide beaucoup. Ouais, il y a des moments où j'aurais quand même pu roquer, hein. Là, je jouais B4 pour essayer de chasser le cavalier, mais je voyais très bien qu'elle pouvait répondre fou F5, ce qu'elle a fait. Et c'est seulement là que je me suis rendu compte que, bah oui, au fait, je peux juste bouger la dame et c'est bon, il n'y a plus trop de menaces. Donc, je l'ai bougé en B2. Sauf que, maintenant, cavalier A4. Donc, ça, c'est la partie. Madame continue à se faire chasser. Cavalier, dame A1.
Voilà, j'avais l'impression d'être sur un ring de boxe et de me prendre tous les coups là dans la partie. Et de pas en donner un. Alors comment continuer après pour les noirs? Ben normal. Cavalier C3. Alors, ma tour est attaquée. Tour C1. Là, elle a pris le fou. Je reprends avec le roi. De toute façon, tout est forcé là. Enfin tout, non. Ce coup-là était forcé en tout cas. Et après, elle a encore trouvé un coup pour me remettre de la pression. Je suis un peu soulagé d'avoir échangé un fou contre un cavalier, là. Je m'en fiche de plus avoir la paire de fous. Et puis elle me cloue. Et là, je commence à avoir trop peur que, par exemple, elle échange ici. Et comme mon cavalier est cloué, elle peut jouer le pion pour le manger. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que non, elle peut pas. Parce que je mangerai sa dame qui est plus défendue. Donc, ouf. Peut-être que ça me donne le temps de respirer un tout petit peu. J'ai joué H3 pour essayer de chasser le fou. Sauf qu'il pouvait aller en H5. Alors, c'est pas ce qu'elle a joué, mais. Enfin, elle a d'abord échangé ici. Peut-être que fou H5 tout de suite était mieux. Je sais pas trop pourquoi elle a décidé d'échanger son monstrueux cavalier contre mon fou qui était. Il faisait rien. Enfin, il faisait pas rien, il menaçait de manger le pion. Il y a des moments peut-être où j'aurais pu manger le pion. Je sais plus exactement quand. C'était assez compliqué. Alors pas là parce que maintenant le cavalier est cloué. Mais elle avait peut-être peur que je mange le pion, donc elle a pas joué fou H5. Sur fou H5, je pensais jouer fou H2 pour essayer de jouer G4. Espérer avoir le temps de m'en sortir comme ça. Le pion a quand même attaqué plein de fois. Donc peut-être c'est pour ça qu'elle a échangé ici en G3. Et ensuite fou H5. Mais maintenant ma position est déjà un peu moins pire maintenant qu'il n'y a plus ses cavaliers. G4, j'essaye de chasser le fou. Tour F1, j'attaque la dame. Dame C6. C'est un moyen indirect de défendre. Si je prends là, elle fait échec. Donc j'avais un peu peur de ça et de perdre tous mes pions. Donc j'ai pas pris le pion. J'ai joué dame C3. Pour mieux défendre celui-là aussi. Parce que ma tour a envie de bouger. Voilà. B5. B5, pareil, c'est un coup que j'avais pas vu et sur le coup, je me suis dit c'est un super coup. Bien sûr, je peux pas le prendre parce que madame est pas défendue. Et puis il est attaqué deux fois. Donc je suis obligé de le pousser. Je crois que l'ordi il aime bien prendre le pion là. Mais c'est un peu bizarre. Parce que pareil, j'autorise à ce qu'elle prenne ici. Moi j'ai cru que j'étais obligé de jouer C5. Et si j'ai changé là, elle pouvait faire d'abord ça. Tac, tac, et bah non, justement, elle pouvait pas. C'est ça que j'ai raté alors. Parce que là, du coup, je peux prendre avec la dame, peut-être. Sacrifier un pion. Je sais pas. C'est assez compliqué. Bref, j'ai cru que j'étais obligé de jouer C5. Après, ça me dérangeait pas spécialement de jouer C5. Et là, tour A8. Un coup étonnant, mais il y a du sens. Elle veut jouer sur la colonne A. Pareil, j'ai pas pris le pion à cause de dame prend en G2. Donc finalement, j'ai fini par jouer roi F2 pour juste protéger mon pion, être à l'abri des échecs. Maintenant, je menace de le prendre.
Je pensais qu'elle jouerait F6 et après je savais pas quoi faire. Parce que mon cavalier, il a aucune case. J'essaye de trouver des trajets, des circuits de cavalier pour lui donner un avenir, mais c'est dur. À part aller là, sur le bord. Faudrait qu'il réussisse à venir ici. En F5. Mais c'est chaud. Et je peux toujours jouer H4, mais ça serait très bien. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout obligée de prendre. Après, si elle prend pas, ça me donne quand même la colonne H pour les tours. Mais le cavalier, lui, le cavalier, il est bloqué. Alors, elle n'a pas joué F6. Attendez, on est où là? Ah oui, après roi F2, je menace de prendre en E5. Mais elle n'a pas joué F6, elle a joué A5. Même question. Ah oui, il y a un piège. J'allais prendre le pion et j'ai vu qu'il y avait un piège. C'est qu'il y a dame F6 échec. Qui fait une fourchette. Ça attaque mon cavalier une deuxième fois. Et le roi. Et en fait, ma dame n'est pas défendue, donc je peux pas bloquer avec le cavalier, je perds la dame. Donc du coup, roi F2, c'était très bien, mais ça me permet toujours pas de menacer de prendre en E5. Donc il a joué A5. Et j'ai joué roi G1 pour éviter ce truc. Cette fois, je menace vraiment de prendre en E5. Je pensais qu'elle allait jouer F6. Enfin, pas tout de suite. On a d'abord échangé ici en B4. Et là, elle a joué dame D4. Je pensais vraiment qu'elle jouerait F6. Je pense que c'est mieux parce qu'en plus, peut-être que le cavalier, le fou, il a envie de bouger, je sais pas. Bref, elle a joué dame D4. J'ai attaqué la dame. Et là, elle propose un échange que j'ai accepté. Vu le déroulement de la partie, enfin vu le début de la partie et les lots de mon adversaire, je suis content de m'en sortir avec une nulle. J'ai l'impression que maintenant la position elle est nulle ou proche de la nulle. Il y a toujours mon cavalier qui est mauvais. Mais mon roi se fait plus attaquer, j'ai plus trop de problèmes là. Donc l'échange des dames, il est cool. Il me va bien. Donc on a joué ça. Et là, j'ai fait un truc pas terrible, j'ai joué tour F6 pour attaquer ce pion, et puis je me suis dit, je vais aller là, je vais menacer celui-là, je vais envahir la sixième rangée de mon adversaire. Sauf que, dès que j'ai joué tour F6, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de cases sur la sixième rangée. Donc si elle joue roi G7 et que je vais là, très bien, j'attaque un pion, mais après, elle le défend. Et ma tour elle est bloquée. Elle peut plus bouger du tout là, elle a aucune case. Et même si c'est à moi de jouer, et même s'il l'attaque pas, les noirs n'attaquent pas ma tour, ben je peux pas la. Je peux rien faire quoi. Je peux pas aller là pour essayer d'en mettre une deuxième. Je peux pas aller là. Si je bouge mon cavalier, la tour se fait attaquer et capturer tout de suite. Donc je suis un peu paralysé. Du coup, donc j'ai vu ça quand. Mais après avoir joué tour F6, voilà, j'ai vu ça. Du coup, je suis pas allé là. Roi G7, je suis juste revenu en F2. Et une idée possible, maintenant. Alors je sais qu'elle va jouer tour A4, je crois qu'elle l'a joué tout de suite. Je peux pas facilement le défendre, mais. Je peux bouger mon cavalier pour contre-attaquer le fou. Et ça me laisse le temps après de jouer cette tour en B2. Alors peut-être que si j'avais joué ici tout de suite tour F2, je gagnais un temps. Bon, ça change pas grand-chose. J'ai joué tour F6, je suis revenu en F2. Donc elle a attaqué mon pion. Alors mon cavalier, il a plusieurs possibilités. J'ai décidé d'aller en F1. Qui est moche, mais l'idée c'est de pas rester en F1, c'est d'aller en G3 pour aller en F5 ou en H5. Et là, franchement, si mon cavalier atteint une de ces deux cases, peut-être que c'est même moi qui suis mieux.
Elle a joué E4, j'ai défendu mon pion. Et elle a dû aussi se dire qu'elle voulait pas me voir venir sur ses cases. Donc elle a échangé le cavalier contre son fou. Donc maintenant c'est une finale de tour avec matériel égal. Une structure de pion légèrement mieux pour les noirs. Donc c'est nul normalement. Ça devrait être partie nulle si on joue bien tous les deux. Donc mon objectif c'est d'obtenir la nulle. Sa tour, elle attaque mon pion, c'est très bien, mais du coup elle fait pas grand-chose. Et moi je vais avoir une idée. On a joué quelques coups. Là je pensais qu'on allait peut-être répéter comme ça. J'aurais été ravi de répéter. Roi, donc tour F5. Tour E5, pardon. Tour D7. Tour E7. Tour D5 à nouveau. Et le roi se rapproche pour attaquer la tour. Et donc là, j'ai eu l'idée de défendre mon pion B4, mais avec cette tour-là, qui en même temps a de l'influence sur la colonne D, et qui attaque en plus ce pion. Donc ça va me libérer l'autre. Et là, du coup, j'ai l'impression que maintenant, c'est moi qui suis mieux. Cette tour-là, elle fait rien, et ma tour défend tranquillement tout en faisant plein d'autres choses. Donc là, elle a joué roi F6 pour défendre le pion. J'ai fait échec. Roi G6, tour F5. Là, elle commence à avoir vraiment plus beaucoup de temps. Il y a des fois où elle est descendue en dessous de 10 secondes. Tour A1. Roi E2. Tour E6. Donc là, son idée, ça a l'air de venir là, de venir ici, de venir là. Alors, ça a l'air dangereux, mais au pire, je bloque avec ma tour. Et après, mon roi, il peut essayer de passer. Donc, je suis allé là-haut pour. Déjà, dès qu'elle joue, ouais, tour E6, ça a l'air quand même pas très bien parce que j'attaque plein de pions après. Alors, elle a fait échec. Et là, si elle essaye de. J'essaie de me le savoir. Si elle essaye de répéter les coups, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'accepte de répéter les coups ou est-ce que je bloque avec ma tour? Auquel cas, je renonce à gagner un pion. Je savais pas trop quoi faire. J'ai réfléchi pas mal de temps là avant de jouer roi F1. Et puis finalement, là, je vais tour F6 que j'avais pas vu du tout, qui force l'échange de ma tour puisque je suis cloué. Donc on a échangé, mais j'ai gagné un pion. Par contre, la position de mon roi est catastrophique, bloquée par sa tour. Donc elle a des bonnes compensations pour le pion. Ceci dit, j'ai un pion passé, et elle n'en a pas. Donc je pense que je suis mieux là, et que je dois essayer de gagner cette partie. Alors elle attaque mon pion. Donc je ne peux pas le défendre, mais je peux en prendre un autre. Et après, je me mets derrière le sien. Ouais, elle est revenue là pour continuer à bloquer mon roi, c'est pas mal. Sinon, j'allais sûrement là. Je pensais à un roi D5 pour essayer d'attaquer mon pion. Parce que là, je crois pas avoir le temps de jouer ça. Est-ce qu'elle peut l'arrêter en jouant ça, par exemple? Donc ce roi D5. Je sais pas, je pense que j'étais obligé de lui laisser. Et j'aurais joué ça, sûrement. Genre des coups comme ça. Ou alors prendre l'autre. Et ensuite essayer d'être plus rapide qu'elle. Bon, la partie. De toute façon, ça ressemble un peu à la partie. Sauf que mon roi est bloqué. Là, je vais tour B2. Et là, j'ai décidé de jouer tour B7 pour. Aider mon pion à s'avancer, attaquer celui-là en même temps. Et je trouvais que ma tour était mieux sur B7 pour empêcher son roi d'aller sur la 7ème rangée là-haut. Donc roi D6, j'ai pris le pion, elle a pris le mien, j'en ai pris un autre. Donc là maintenant j'ai deux pions d'avance, enfin très provisoirement parce que je vais pas pouvoir sauver celui-là. Et puis celui-là par contre il est rapide.
Et le truc, c'est que là, en plus, il y a des menaces de maths. C'est pas juste que... Alors, ok, j'ai un ou deux pions d'avance, mais faut quand même que je me fasse pas mater. Par exemple, si je joue H4, et qu'elle prend, il y a une menace de mat en un seul coup, là. Et en plus, c'est un très bon pion. Ce pion-là. Par exemple, je suis obligé de jouer G3 pour pas me faire mater. Ou alors, je me barre. Mais par exemple, ça, ça. Et soit ça, je sais pas trop. Sûrement que ça va, peut-être même que j'ai des chances de gagner. Mais j'avais un peu peur de cette construction-là avec le roi devant ce pion. Donc j'ai d'abord joué G3 pour avoir une case pour m'échapper. Attendez, c'est pas ça la partie. J'ai joué G3 à ce moment-là. Et là, j'ai joué G3 et après la tour derrière le pion. Pour que si jamais il y a ces histoires-là, je suis déjà présent pour prendre le pion. Donc je ralentis un peu sa progression. Genre le roi, il doit aller là et pas là. Bon, ça change peut-être pas grand-chose en fait. Mais je sais dans les finales de tour théoriques que s'il y avait aucun autre pion, alors ça serait le seul coup qui sauve la partie. De se mettre derrière son pion là. Ok, bref, on a joué ça. B4, G5. Maintenant c'est un peu la course. C'est lui qui devient dangereux. G6. Échec. Roi G1. Tour F6. Et là sur G7 ça me plaisait pas trop parce que elle peut venir là et il attaque mes deux pions en même temps. Donc j'ai joué roi. Ouais. J'ai mis ma tour là. Son pion était trop dangereux. Et ouais, là, je sais pas si peut-être qu'elle avait pas vu que je prenais sur échec parce que ça défend mon pion en même temps, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que tour B5 est bien. Elle a pris le pion, j'ai pris le sien avec échec. Maintenant le mien est défendu. Donc ça va mieux. J'ai joué roi G2. Donc j'ai toujours mon pion d'avance, j'ai éliminé un de ses pions dangereux. Mon roi est moins mal placé. Tour C6. Bon, maintenant j'avance mes pions. G4, G5. H4. Alors en jouant H4, j'ai calculé qu'est-ce qui se passait sur roi D1, échec. Roi là, pion ici. J'avais calculé que échec, ça marchait pas à cause de ça. Et là, si elle faisait une dame, on faisait ça. Et après, je dois pouvoir sauver la nulle. Donc je me suis dit, c'est ok, je peux jouer ça. Ça doit être nul parce que son roi est très loin. Donc mes pions, elle va devoir sacrifier la tour. Ça, c'est ce que j'avais calculé, je crois. Et puis en fait, on a joué une meilleure version que ça. Parce que là... Il y a mieux que échec là. Il y a échec ici. Tour B1. Et en fait, je contrôle la dernière rangée. Donc je peux jouer roi F2 et maintenant le pion ne menace plus de faire dame. Et du coup, c'est elle qui risque de perdre maintenant. Et là, elle a joué roi C3. Peut-être qu'elle aurait dû juste se mettre derrière mes pions et essayer d'échanger plus de pions. Roi C3, c'est bizarre, le roi qui s'en va. J'ai avancé mes pions. En plus, la tour, elle peut plus, elle est là. C'est vraiment très bizarre, roi C3. Roi D4. H6. Roi E5. Échec. J'étais content de cet échec parce qu'il peut pas aller là, il peut pas aller là. Mais elle peut quand même aller là. Et après, je me suis dit,
Là, j'avais plus trop de temps non plus, donc je savais pas trop si j'avais, si c'était possible d'avancer mes pions maintenant. Et donc j'ai joué un coup logique qui avait pas besoin de trop de calculer vu que j'avais plus le temps. Juste contrôler la dernière rangée, quoi. Avant que ce soit sa tour qui y aille. Mais ce dont j'étais pas trop sûr, c'est qu'est-ce qui se passe si elle fait échec ici? Juste donner ce pion-là pour avoir le temps de mettre une tour derrière mes pions. Alors, je dois quand même gagner grâce à ça. Puis même, ouais, là, je peux faire dame. Ça gagne. Donc, bref, la partie, c'est ça. Et là, je vais tour C7, en fait. Et j'ai mis ma tour là. Maintenant, son roi est coupé, en fait. Son roi peut plus passer. Donc, elle a plus aucune chance d'arrêter mes pions, maintenant. Elle a joué tour F7. Ça échange les tours. Mais ça changeait rien. Elle était déjà perdante. Et là, maintenant, mon roi est mal, mais comme j'ai deux pions et pas un seul, et ils se protègent l'un l'autre, ça veut dire qu'elle n'a pas le temps de prendre en G5 parce que l'autre il avance. Et là, hop, je fais une dame. Donc mon roi peut être très loin, c'est quand même gagnant. Donc on a joué ça, on a joué ça, puis là elle a abandonné. Le seul truc, c'est que si elle jouait ça. Enfin, j'essaie de voir s'il n'y a pas des pièges de pattes. Ça. Non, non, ça gagne tout de suite. Il n'y a même pas de piège. Bon, là, il y a un pat. Voilà, j'ai réussi à faire un pat. Et là, il n'y en a pas. Il n'y avait même pas de piège de pattes dans cette version-là. Ok, donc j'ai gagné cette partie, ce qui est un petit miracle quand on voit ce qui s'est passé. Elle était effectivement gagnante parce qu'elle est à la sortie de l'ouverture quand elle a joué ce H6, G5, cavalier E4, c'était terrible. Et là, l'ordinateur dit que c'est égal, ok. C'était facile pour moi de me tromper, je me suis bien trompé. Cavalier DC5. La tour D1, c'était bien. Rock, c'était pas terrible. C'est vrai que madame, elle a pas trop de cases et juste ça, et ça, c'est chiant pour moi, quoi. À partir du moment où elle a ce cavalier hyper bien placé et indélogeable, même si elle menace pas vraiment de gagner du matériel, elle est très très bien, quoi, dans la partie. Alors, on a joué quoi? On a joué tour D1. Dame F6, très bon coup. B4, c'était pas top. J'aurais dû peut-être roquer, ouais. Mais les noirs sont quand même un peu mieux. B3 apparemment était mieux. Au moins ça aurait empêché cavalier A4. Ah, bref, j'ai joué B4, fou F5, dame B2, cavalier A4. Et c'est là qu'elle était beaucoup mieux. Moins 3. Et là, elle a encore trouvé le meilleur coup. Fou G4, mais elle a vraiment super bien joué, quoi. Jusqu'à un moment donné. Là, elle a perdu un peu de son avantage, ouais. Fou F5. Peut-être qu'elle a peur que je prenne. On dirait que je peux prendre. Ah non, je peux pas puisque je suis cloué. Sauf si je fais G5, G4 intermédiaire. Si elle bouge le fou, effectivement, je prends la tour. Mais elle n'est pas obligée de le bouger, elle peut juste le défendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je peux pas prendre? Moins 9. Non, mais ça, c'est les variantes d'ordi. Ok, ça y est, j'ai compris. Mon pion est surchargé. Là, je me fais mater. Mais ça, c'est introuvable, enfin. Fou H5 et voir qu'on peut sacrifier le pion et sacrifier le fou pour doubler les tours plus vite.
Et avoir cette tactique. Ok. Un peu dur à voir. Hein. Donc voilà. Fou H2, c'est pas la partie ça. Non. Fou H2, c'est ce que j'avais prévu, ouais. Fou H2. C'est ce que j'avais envie de jouer. Si elle avait joué fou H5, fou H2, et puis. Et puis voilà, la partie continue, mais les noirs ont toutes leurs pièces mieux. Bref. Après l'échange, la situation est un peu moins pire. Et là, c'est presque égal. Et après B5, c'est là que je comprends pas trop pourquoi l'ordi dit que j'aurais pu jouer juste roi F2. Ça, pour moi, ça donne juste un pion. Ah, sauf que je récupère celui-là. Ou même celui-là. Ouais, mais alors, s'ils échangent d'abord, qu'ils prennent le pion. Je le récupère. Mais pas si facilement. C'est un peu un sacrifice de pion et se retrouver dans une finale avec un pion de moins, malgré les problèmes de structure des noirs. Donc ouais, j'ai joué C5, qui était quand même plus normal. Et là, pareil, je voulais pas prendre à cause de ça. J'ai un pion de retard. C'est quoi ce coup? Pardon? Tour H1. Pourquoi donner une tour? Pour avoir une perpète, mais je vois même pas la perpète. Ah, c'est vrai que je peux aller là. Pff, ok. La seule raison. Non, mais. La seule raison pour laquelle on joue tour H1, c'est. Non, je comprends pas la raison. Ah, c'est pour qu'il puisse pas prendre là et faire échec. Juste pour réussir la perpète. Ok, bon. Oublions les coups d'ordi. Revenons à des coups humains. Roi F2. Roi G1, très bien. Ah, et donc là, mettre ma tour en D7 aurait été bien tout de suite. Ça me plaisait pas d'avoir sa dame dans mon camp. Et là, cavalier B1, meilleur coup. L'idée, c'est de reprendre comme ça et notre cavalier. J'avais vu ça, mais je me suis dit C6 et puis mon cavalier, il continue à avoir l'air bête. Sauf qu'il va peut-être passer par là. Ok, c'était une possibilité. Ouais, donc tour F6, tour F2. Ensuite, à partir de là, c'était théoriquement nul. Et c'est resté nul théorique un long moment. Malgré le pion perdu par les noirs, là, ils ont donné un pion. Maintenant, ils ont un pion de retard, mais ça reste nul s'ils jouent bien. Mais ils ont des compensations pour le pion, hein. C'est le fait que mon roi est très mal placé. J'aurais très bien pu perdre d'ailleurs parce que. À un moment, il y a ces pions qui sont devenus très dangereux. Jusque-là, c'est encore nul théorique, mais ça commence à devenir dur. Là, c'est dur pour les deux côtés, parce que franchement, je voyais pas trop comment arrêter le pion. Roi D2, ça aurait été mieux que Roi D1. Là, il y a que. Maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de pièces et on a les résultats théoriques, il n'y a que deux coups qui ne perdent pas. Roi D2 et tour C1. Pour les noirs. Alors pourquoi, j'ai aucune idée. C'est tellement plus logique de mettre en D1. Alors c'est peut-être pour éviter l'échec qu'on a vu justement. Ok.
parce que là je viens pas sur échec. Donc là il me pique la tour, mais je fais nul parce que mon roi est avec mes pions. C'est même pas si facile de faire nul avec les noirs là. Ah ouais, il n'y a que tour C3 qui fait nul, sérieusement? Oh, incroyable. Ok. Donc c'est très dur à tenir pour les noirs en fait tout ça. Roi D1, roi F3, et maintenant c'est gagnant. Si vous voulez la théorie, c'est gagnant depuis ce moment-là. Tac. Roi D1. Et tour B1 plus, c'est le seul coup qui gagne. Effectivement. J'avais vu que tour E3 ou tour D3, c'était plus tour E3 que j'avais prévu de jouer. J'avais vu que ça, c'était. J'avais des chances d'obtenir la nulle, quoi. Hop, hop, hop. Et pareil. Je lance mes pions. Ouais, il est rigolo ce coup aussi. Alors, c'est dur à voir, mais elle aurait pu tenter ça. Parce que maintenant. Ouais, en fait, les noirs sont très bien. Les noirs peuvent essayer de gagner, et moi je peux juste essayer de faire une forteresse. Ah oui, mais. Non, j'ai pas joué de tour E3. J'ai joué tour B1 qui était mieux. Qui était le seul coup qui gagnait. Et après, tout gagnait, là, en fait. Tous les trucs que j'essayais de calculer et que j'étais pas trop sûr. C'était bon. Ok. Ouais, donc. Dommage pour Pauline qui avait beaucoup, beaucoup mieux joué que moi et qui était beaucoup mieux, mais ça restait super difficile à trouver cette combinaison. Donc, un peu normal d'avoir échangé les pièces quand même. Et puis après, bah ouais, c'est devenu plus équilibré et ensuite, fallait pas donner un pion dans la finale. Belle finale de tour en tout cas du coup. Et alors pour info, c'était encore une partie hyper longue. On a encore duré plus de 4 heures. On a été la dernière partie à se terminer. Vu que ça allait jusqu'en finale et tout. Combien il y a eu de coups? C'est plus de 80 coups. Plus de 80 coups. Enfin, j'en ai rajouté là, mais elle a abandonné sur Roi F6. Donc il y a eu 80 coups pile. Bref, voilà, très bon tournoi du coup. 3,5 sur 6 jusqu'à présent. Quel que soit le résultat de la round 7, on peut déjà dire que c'est un très bon tournoi. En plus, j'ai joué que des adversaires mieux classés. Je vais vous retrouver bientôt pour le compte-rendu de la round 7. C'était Christopho, et c'est tout pour le moment.